suis Emmanuel Imourou et je suis responsable média presse à la Berrichonne de Châteauroux. Mon métier consiste à gérer toutes les demandes d'interview, donc de la presse par rapport aux joueurs ou au coach ou à ma direction. Donc d'analyser leurs demandes si elles me paraissent pertinentes, si elles peuvent faire une bonne presse pour le club. Mais je dois aussi gérer toutes les conférences de presse. On fait une conférence de presse en avant-match et en après-match. Donc c'est moi qui préviens les journalistes, qui organise les conférences de presse et qui intervient si besoin lors de ces points. Merci beaucoup. Merci. Et bravo. Merci. Bravo à vous, bravo au staff, bravo à l'équipe bien sûr. Frédéric Reculot arrive en salle de presse. Bonsoir coach. Bonsoir. Mon métier existe dans tous les sports, à différents niveaux évidemment. Mais c'est sûr que dès qu'on approche un niveau comme le nôtre, en tout cas en national, on a forcément l'intervention des journalistes. Et il faut forcément une personne pour gérer cela. Racontez-nous un petit peu ce soir, comment vous avez vécu ce match. Peut-être début de rencontre un peu compliqué. Nous on a l'impression, vu du haut, que ce but vous a totalement libéré, vous et bien sûr le groupe. Alors pour devenir responsable média presse, pour ma part j'ai acquis beaucoup d'expérience lors de ma carrière de joueur professionnel. À l'issue de celle-ci, j'ai fait une formation à distance pendant 2 ans qui m'a permis d'avoir mon premier diplôme post-baccalauréat. Et suite à ça, grâce à mon expérience du terrain et mon expérience théorique, j'ai pu devenir responsable média presse à la Berrichonne de Châteauroux. Après, quand on parle de cursus classique, il suffit de faire des études en communication en général. Il faut bien évidemment s'intéresser et connaître le monde du sport, en tout cas dans lequel on est employé. Rester dans le milieu du sport, clairement, ça m'apporte le fait de vivre avec cette adrénaline. Tous les vendredis, on a les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc je vibre soit devant ma télé, soit au stade, mais tout en travaillant. Et j'aime aussi beaucoup le fait que lorsque je fais mon travail, même si je le fais bien, je serai toujours conditionné par les résultats sportifs. Il y a une part que je ne maîtrise pas du tout. Et c'est ça aussi que je trouve super kiffant dans le milieu du sport. Si vous cherchez à travailler dans les métiers du sport, je vous invite à vous rapprocher des clubs de sport de votre ville. Il y aura forcément un métier pour vous.